Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Je vais vous montrer une façon de savoir si votre ordinateur a tous les composants qu'il faut, la puissance qu'il faut pour faire fonctionner un jeu sur votre PC. Alors pour ça, vous allez dans Google, hein, ou sur votre navigateur, et vous tapez Can You Run Hit, pouvez-vous l'exécuter en français. Là, vous cliquez sur le premier lien et vous arrivez sur cette page. Dans cette barre de recherche, vous cliquez ici et là, vous cherchez votre jeu. Vous inquiétez pas, il y a énormément de jeux, hein, sur tous les derniers sortis. Donc moi, je vais en prendre un au hasard. Qui va être assez dur, tiens, pour moi que je fais pas, je sais pas, je connais pas trop. Celui-là, le 3. Voilà. Et ici, vous cliquez sur Can You Run It et ici Begin Detection. Voilà, normalement il y a un petit pruning, voilà, sur Firefox ici. Donc Java, vous l'activez. Ok. Voilà, on vous redemande d'exécuter l'application. C'est pour que ça se mette en rapport avec votre PC. Vous l'exécutez. Et voilà, il détecte. Donc vous attendez un petit peu. Voilà. On a fini. Et là, on me dit que mon ordinateur passe pour ce jeu-là. Ça veut dire que pas de problème, je peux l'installer. Donc je regarde. Ici, voilà, mon CPU, ma RAM. Là, je suis sous XP, c'est bon, ça passe sous XP. Ma carte vidéo. Enfin, bon, tout passe. Hein, l'espace disque, carte son et tout. Là, je vais essayer de trouver un jeu qui ne passe pas et vous montrer un peu ce que ça fait. On se revoit après. Donc voilà, oh, voilà. Donc j'ai choisi un autre jeu, hein, qui s'appelle Call of Duty le 3, hein. J'ai cliqué ici et voilà ce qu'il m'annonce. Fry, c'est à dire ça passe pas en gros, hein. Donc là je regarde ce qui se passe, je redescends et je vois que mon processeur CPU, c'est pas bon. Ma carte vidéo, elle est pas bonne non plus. Bon, ma RAM, il faut un minimum de 2 Go, j'ai de 6. Ça va. Donc ici, ce qui est bien, c'est que par exemple, là, on peut cliquer ici et aller directement sur un site vendeur qui nous vendra. Bah là, c'est carrément le PC. Donc je vais vidéo carte. Voilà, là par exemple, là il me propose des cartes graphiques où avec ça pourrait passer. Enfin voilà. Donc bah, je trouve ce site assez intéressant. Hein, ça évite de regarder un peu derrière les jeux et comprendre quelque chose pour pouvoir l'acheter ou pas. Je vous dis à bientôt sur netprof.fr. Merci de m'avoir écouté.